faisait depuis 92, on travaillait avec Charles Hebdo. Tinius, c'est une longue histoire qui a commencé quand on cherchait du travail dans des magazines. C'était bien avant qu'il développe son dessin de presse, quoi. Et déjà à l'époque, c'était un artiste incroyable. Dans tout ce qu'il illustrait, il arrivait à rajouter de la poésie, de l'humour, quelque chose de décalé. Voilà, une humanité, quoi, en fait. Je me suis aperçu qu'en fait, c'était ça, c'était lui. En fait, ce qu'il mettait dans ses dessins, c'était lui, que ça transparaissait. Il faisait une planche dans chaque numéro de l'Écho des Savanes. Et là, on trouve évidemment une matière absolument idéale. Nous finissions avec Thierry, Maurice et Patapon, d'après Charbre, avec Michel Muller et Olivier Brochurieux. Imagine, au Salon du Livre, j'y vais, et j'ai essayé de me faire dédicacer un rouleau de PQ par Finkielkraut. Et du coup, on était vraiment préoccupés et on cherchait des choses, des façons de faire sur le dessin de presse animé. Les pandas de Tinius collaient parfaitement à cette démarche et on s'est attelé au projet immédiatement. Ensuite, très vite, on a compris qu'en fait, Tinius n'aurait pas le temps de s'en occuper. Il ne pouvait pas prendre ça en charge, il avait trop de travail et donc il fallait forcément que ça soit pris, enfin que nous... Avec Thierry, on prenne ça en charge, d'une part. Et puis, d'autre part, il s'avérait que très vite, on ne pouvait pas prendre simplement les sketchs et en faire une transcription littérale. Il fallait quelqu'un qui scénarise, quoi. C'est pas juste. On a une chance, qui est de pouvoir essayer l'adaptation en dessin animé, image par image. Résultat de l'expérience, c'est que c'est pas le bon choix, malgré les qualités des dessinatrices. On ne reconnaît pas son trait. On va donc faire un plan B. Il fallait quelqu'un qui scénarise, quoi. Voilà, et donc, comme je disais, Tinius n'avait pas le temps. Donc, on a commencé à chercher dans les amis de Tinius. Et Tinius va faire appel à François Rollin pour l'écriture de la série, à son autre grand ami, Daniel Pénac. C'est un long métrage. On attaque le 1er janvier 2015, en se revoyant dans les jours qui viennent pour mettre en place la série, puisqu'on avait pratiquement tout prêt. Et derrière, potentiellement un long métrage. Ouais, c'était extrêmement important. Continuer. De toute façon, il faut continuer Tinius, faut continuer son travail. Et puis, c'est une belle aventure. C'est avant tout une histoire d'amitié, une histoire de copains. Donc on avait déjà tout pour le faire, tout avait été vu ensemble déjà, et c'est comme ça qu'on a pu lancer la machine. Et ce qui est beau, c'est la manière dont tout le monde s'est fédéré, parce qu'en fait, personne ne s'est posé de questions, c'est-à-dire que tout le monde a dit on y va, on continue, la réunion elle était prévue en janvier, il n'y avait pas de date arrêtée, mais tout le monde devait se retrouver, voilà, la Bible était écrite, il fallait se retrouver avec François Rollin, écrire les scénarios, trouver les voix. On savait déjà qu'il y aurait Sophia sur le coup, que les trios allaient faire la musique. Enfin, il y avait plein de choses qui étaient déjà... personne ne s'est posé de questions, il était évident que tout le monde continuait cette aventure. Non, il y a un truc qui est quand même super important, qui est une donnée, parce que au-delà de tout ça, c'est que quand même, il va falloir qu'on continue à se marrer et que les pandas, ils racontent quand même un paquet de conneries et qu'ils sont drôles. J'espère que ça ira, c'est ça que tu veux. Si c'est pas ça, tu n'hésites pas à me le dire, je change.